Yosh, oh punaise, la décoration a changé. C'est la période de Noël aussi. Mais non, mais qu'est-ce que vous foutez ici? Calme-toi, je suis un abonné. Vous allez me la sortir combien de fois, cette phrase? Autant de fois que possible. Attends, tu as bien dit un abonné? C'est exact. Alors si tu n'es qu'un abonné, j'en déduis que tu n'es pas spécialement un des abonnés de ma chaîne YouTube, étant donné que tu n'as pas précisé de quelle chaîne tu étais l'abonné. Je n'ai rien compris, mais ouais, c'est ça. Je suis un abonné, mais pas de ta chaîne. Ben, tu es l'abonné de qui? De Manitou. Au secours! Garde! Faites-moi sortir d'ici! Ta gueule! Dis tout de suite qu'on te fait chier. Bah justement, j'allais te le dire. Yosh? Bon, je ne vais pas la faire longue, mais je vais te raconter une de mes aventures que j'ai passées pendant la période de Noël. Une de mes histoires, si tu préfères. Mon passé. Bref, ça s'est passé après avoir voyagé dans le temps. J'avais fait la rencontre d'une fille trop canon et j'avais décidé de l'héberger chez moi. Je ne savais pas que j'avais autant de nourriture dans mon coffre. C'est génial, je vais pouvoir bouffer comme un porc. Mon petit Flaizonet. Oh my notch. J'ai froid, tu saurais me réchauffer dans mon lit s'il te plaît? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai rien, j'ai juste besoin de mon Flaizonet pour me réchauffer. Waouh la vache. Dégage-toi. Dépêche-toi, je t'attends. J'arrive. Salut Flaizer. What the fuck? Auxilla qui est chez moi, au calme. Bah Flaizer, pourquoi tu dis ça? Mais non, mais dites-moi que je rêve là! Oui, tu rêves, Starfoula! Oh punaise, ce n'était qu'un rêve! Eh hey, mais attends, ça veut dire que le tas de bouffe dont j'ai rêvé n'existe pas? Eh merde, ça aussi ce n'était qu'un rêve! Mon petit Flaizonet! Hein? Je n'ai pas rêvé! J'ai faim! Merde, ce n'était qu'un rêve finalement! De quoi tu parles? Non, rien, c'est assez compliqué! Salut Flaizer, comment tu vas? Ouais, et toi, Auxilac? Eh, mais attends, comment tu me connais et comment tu as pu venir chez moi? Je te connais car tu n'arrêtais pas de me foutre dans tes aventures de merde sans mon autorisation! T'es venu uniquement pour me dire ça? Non, Flaizer, je suis venu pour autre chose, bien plus important. Et quoi donc? Je suis un très grand ami du Père Noël, mais il a récemment disparu alors que Noël approche. Alors si je comprends bien, le grand Auxilac qui a mis avec le Père Noël veut que je l'aide à le retrouver pour sauver Noël. Voilà, tu as tout compris. Putain, l'originalité du scénario! Bon, la dernière fois que je l'ai croisé, il était chez lui, et après plus rien! Et tu veux que je t'accompagne là-bas? Ouais, ça serait sympa de ta part! D'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient de rentrer chez toi. Oh punaise, ça doit sûrement être le cochon bikini qu'il y avait dans mon rêve! Salut, je peux vous accompagner? Je suis un fan du Père Noël. Ah bah non, c'est Mikado. D'accord, Mikado. Bon, allons-y, Auxilac. Flaizer, je peux vous accompagner? Je ne veux pas rester toute seule. Hé, hey, Flaizer, je savais pas que t'avais une copine. Raconte pas n'importe quoi, Mikado. C'est une fille que j'ai sauvée dans le monde du passé. Désormais, elle réside chez moi. Alors, tu veux bien? Oui, tu peux nous accompagner. Tu verras le Père Noël comme ça. Ok. Bon, allons-y. Ici Flaizer, nous voilà chez le Père Noël. Attends, tu déconnes? Bah quoi Flaizer? Tu vas me dire que c'est ça chez le Père Noël? Attends, relax! Suivez-moi, vous allez comprendre! Attendez-nous là, Mikado et Emeraude. Et pourquoi je devrais rester ici? Ouais, je n'ai pas envie de rester toute seule avec lui. Merci Emeraude. Vous devez monter la garde et vu qu'il nous fallait quelqu'un d'assez fort, j'ai pensé à toi Mikado. Ah oui, je comprends mieux pourquoi tu as besoin de quelqu'un comme moi pour monter la garde. En même temps, vu ma puissance, je suis fait pour ce job.
Flyzer, je te déteste. Waouh! Alors c'est ici chez le fameux Père Noël? Mais pourquoi il n'y a pas de lutin? Voyons, Flyzer! Ce sont des vieux clichés, ça! Sinon, on commence par où? On va commencer par aller dans sa résidence. Il y aura sûrement des indices qui nous mèneront à lui. Waouh, c'est extrêmement moche! Le Père Noël a toujours eu des goûts atypiques. Je vois ça... Et sinon au fond, ce n'est pas son bureau? Ouais, tu as raison, allons fouiller là-bas! On a malheureusement rien trouvé. Ouais, sauf ce bâton rouge un peu bizarre. Fais-moi voir à quoi il ressemble! Ouais, regarde ça, je n'ai jamais vu un bâton de ce genre-là. Flyzer, tu t'adresses à qui? Bah, je m'adresse à toi. Hein? Mais qu'est-ce que vous foutez chez le Père Noël? Bordel, on aura tout vu. Un squelette qui parle. Vous êtes qui? Bonjour, c'est Antonio de Carlouche. Comment que ça va-t-il? Mais c'est quoi ce bordel? Je suis le gardien de cet endroit et vous allez mourir pour votre intrusion. J'ai été nommé comme responsable de ce lieu car je suis deux fois plus puissant qu'un squelette normal. Ce n'est pas sympa de m'ignorer. Ah, mais moi, je t'écoutais. Et moi aussi, je l'écoutais. Merde. Par là, Flyzer. On est sauvés. Auxilac, en fait, tu n'as jamais connu le Père Noël, sinon le gardien de cet endroit t'aurait reconnu. D'accord, je l'avoue. Je n'ai aucun lien d'amitié avec le Père Noël. Pourquoi tu voulais venir ici en ma présence? Je t'expliquerai plus tard, c'est une longue histoire. Flyzer! Mais qu'est-ce que tu fous là, Émeraude? Je voulais voir à quoi ressemblait la maison du Père Noël, c'est tout. Mais pourquoi tu t'étais enfermé dans les chiottes? Parce que j'ai entendu des bruits. D'accord, je comprends mieux. Flyzer! Nous devons trouver une idée pour s'échapper d'ici et trouver le Père Noël. D'ailleurs, j'ai un plan. Auxilac, tu t'occuperas de trouver des indices qui nous permettront de retrouver le Père Noël. Émeraude, tu surveilleras les lieux. Toi, tu t'occuperas de nous poursuivre pour nous tuer et moi, je vais aller aider Auxilac pour... Mais attendez-moi! Vous allez crever, mon monsieur. Vous croyez que je ne pouvais pas vous retrouver, mais vous vous trompez. Mon odorat est tellement développé pour sentir la présence de quelqu'un à 30 blocs de distance. Encore. Pinaise, il nous poursuit encore. Flyzer, j'aperçois la sortie. Tant mieux, mais il faudrait se débarrasser de ce squelette, sinon il va nous tuer. Laisse-moi faire, je vais utiliser mon talon spécial pour le distraire. Oh my gosh, ne serait-ce pas la danse légendaire d'Auxilac? Oh yeah, j'adore comment il bouge son cul, ça me donne envie de danser. Voilà, il sera comme ça pendant 10 minutes. Profitons-en pour partir d'ici. Et alors, comment va ta famille sinon? J'ai pas de famille. Ah, c'est cool ça. Hey, Flyzer, alors, vous avez trouvé le Père Noël? Non, je t'expliquerai plus tard. Mais qu'est-ce que tu fous avec un des gardiens de cet endroit? Quoi? Alors c'est vous, les intrus qui ont pénétré dans la base secrète du Père Noël? On ne savait pas que c'était interdit. Fermez-la! Aucune excuse ne pourra vous sauver de... Bla bla bla. De toute manière, il était chiant à raconter sa vie. Flyzer, on devrait retourner chez toi pour faire le point sur cette histoire. Hey mec, on t'a vu là? Je reviendrai! Bon, allons-y. En fait, je ne l'ai jamais connu. Je suis allé chez lui pour savoir ce que j'allais avoir pour Noël.
C'est juste pour ça que tu nous as fait perdre du temps. Estime-toi heureux que je sois passé dans tes aventures. Flyzer, y'a quelqu'un dans les toilettes. Ah bon? C'est qui? Aucune idée, j'ai peur d'ouvrir la porte. C'est le Père Noël! Qu'est-ce qu'il fait dans tes chiottes, Flyzer? Mais je n'en sais rien, moi. Et toi, qu'est-ce que tu fous sur mon trône? Désolé si je vous ai surpris, mais j'étais venu pour explorer l'île, et j'avais une envie extrême. Du coup, je me suis permis d'aller couler un bronze, et je me suis endormi entre-temps. Pendant que vous êtes là, vous pouvez me dire si j'aurai des cadeaux que je vous ai commandés? Oui, tu auras le nouveau CD en taille qui sortira prochainement, ainsi que la panoplie qui va avec. Cool, merci! Bon, je dois y aller. J'ai passé un bon moment avec vous, mais je dois rentrer chez moi. À la prochaine, Flyzer! Salut, Auxilac! Flyzer, tu sais où il est, mon disque préféré? Tu ne l'avais pas oublié dans le monde du passé. Tu as fait quoi? Merde. Et voilà, fin de l'histoire. Alors, ça t'a plu? Ah oui, merde, je parle tout seul. Bref, si t'as aimé mon histoire, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Sur ce, je te souhaite un joyeux... Attends... C'est quoi ce disque? Bah voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je continue un petit peu cette bande-son, histoire de te féliciter pour tes 10 000 abonnés quand même. C'est cool. Et puis merci de m'avoir fait participer à ce court-métrage, ça me fait extrêmement plaisir. Donc enjoy pour ta chaîne YouTube. Merci à toi, merci à tous d'avoir regardé le petit court-métrage de Flyzer, ça fait plaisir. Et écoutez, salut tout le monde, c'est Auxilac. Wow, merci mec. Bon, sur ce, je vous laisse. Ciao. Ah! Oh putain, t'es crédible toi, mais alors! Mais fallait que tu sautes, fallait que ouais, tu. Ouais, faut que tu t'énerves, tout le monde! Non, oui, je sais, c'est bon. Ah, je suis très méchant! 2, 1, 0. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, putain, on dirait que tu t'en bats les couilles, quoi. Attends, t'as la meuf quasiment nue devant toi et. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'expliquerai plus tard, c'est une longue histoire. Aidez-moi! On la ramasse à la petite cuillère là. Aidez-moi. Ah 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 ah. Je reviendrai. Ah 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 ah. C'est bien ça va. Zéro.